Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette septième leçon de cours de piano. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que l'apprentissage se passe pour le mieux. Donc dans cette septième et dernière vidéo de la saison, donc de la première saison consacrée aux bases même fondamentales de l'instrument, donc nous allons terminer par cet épisode-là. Où ce que je vais nous donner plusieurs exercices pour travailler donc la dextérité des doigts, des mains, pour pouvoir être davantage à l'aise, pour pouvoir se déplacer sur les accords, donc toujours dans la gamme de Do, notre première gamme vraiment de prédilection, si je pourrais dire, afin de progresser, d'être à l'aise dedans. Donc ça va être le fruit de cette septième leçon. Et donc je tenais également à dire que donc, nous allons nous retrouver donc, vendredi qui arrive. Donc on vous donnera l'heure sur les réseaux pour justement un live, comme je l'avais énoncé tantôt dans la précédente vidéo, que nous allons vraiment mettre en place un live où ce que chacun aura la possibilité de poser des questions, et au préalable donc on va ouvrir justement les commentaires seront ouverts aux questions, donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails donc à l'adresse mail donc de Musique de Vie afin de poser déjà les questions qui peuvent vous venir par rapport à l'ensemble des leçons que nous avons pu voir jusqu'à aujourd'hui, donc de la première jusqu'à la septième jusqu'à aujourd'hui. Préparer tout ça et préparons-nous vraiment pour l'échange vendredi, donc en direct sur la chaîne donc de Musique de Vie officielle YouTube. N'hésitez pas vraiment à les choses qui peuvent vous passer à l'esprit, les choses que vous ne comprenez pas, sur lesquelles vous voulez avoir des éclaircissements. On va essayer vraiment de faire de notre mieux par la grâce du Seigneur pour pouvoir apporter des éclaircissements, apporter encore davantage d'éléments pour nous permettre de progresser encore une fois. Donc voilà, que vraiment que le Seigneur soit béni, nous bénissons encore pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir être là ensemble et surtout pouvoir honorer son Saint-Nom. Donc voilà, en soi. Donc nous allons débuter notre leçon par le premier exercice. Je vais nous en donner plusieurs, encore une fois, qui vont nous permettre de pouvoir progresser dans l'instrument avec la dextérité. Donc premier exercice. Donc nous allons commencer sur donc le Do, premier degré de la gamme de Do. Donc, exercice assez simple, puisque ce que je vais faire, c'est que avec ma main gauche, je vais plaquer mon accord, avec ma main droite, je vais le plaquer, et je vais faire un arpège juste après. Donc, je m'explique, je nous le montre. Ok, je plaque. Je fais un accord plaqué avec mes deux mains et juste après, je fais un arpège avec ma main droite. Donc l'exercice consistera en ça sur tous les accords de la gamme de Do. Plaquer arpège. Donc en même temps que vous plaquez, vous faites les arpèges, n'hésitez pas en fait à citer, dans un premier temps vous pouvez citer les accords ou citer les nomenclatures pour vous familiariser encore une fois avec les deux. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ou le même exercice en citant Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, ainsi de suite. Donc voici pour le premier exercice. Donc plaqué, accord plaqué avec les deux mains et avec la main droite, je finis avec un arpège. Ok ? Très bien. Deuxième variante, donc deuxième exercice, donc c'est le même exercice, sauf que l'arpège, on va le faire dans l'autre sens. Au lieu de commencer par le pouce et aller donc
du plus grave vers le plus aigu. On va faire l'inverse, ça va être du plus aigu vers le plus grave. Exemple. Mi mineur. Voilà. Sachant que ce qui est important, c'est que vous soyez fluide au niveau de vos mouvements pour que, au fur et à mesure, vous puissiez descendre les accords rapidement, sans trop d'hésitation, pour que ça puisse venir au fur et à mesure et que vous commenciez à plaquer les accords en... Même chose pour le premier exercice. Voilà pour le deuxième exercice. Troisième exercice, donc de toujours dans la même gamme, dans la même gamme de Do. Donc cette fois-ci, ça va être de plaquer l'accord et d'appuyer, on va dire, en arpège, pas vraiment en arpège, mais une note après l'autre sur la main droite, comme ceci. Vous voyez ? Je faisais un arpège jusque je plaquais les notes, je gardais mon pouce enfoncé, voilà, comme vous pouvez le voir sur le clavier virtuel, mais cette fois-ci, je vais plaquer et je vais sauter mes notes, vous voyez ? Là, c'est pour le troisième exercice. Quatrième exercice, même chose, mais comme la variante qu'on a fait tout à l'heure, on va faire la même chose, mais avec, on va dire, on va partir de l'aigu vers le grave au niveau de l'appui des touches. Ok, voici pour notre quatrième exercice. Ok, voilà. On continue toujours dans vraiment la suite de nos exercices. Pour rappel, vraiment cette leçon, cette dernière leçon de la première partie de notre première saison, si on peut appeler ça comme ça, et vraiment va se centraliser sur l'exercice pour travailler davantage la dextérité des doigts. Je vais nous donner encore deux autres exercices pour nous permettre encore de travailler cela. Donc, l'exercice suivant concerne tout simplement à... On va travailler essentiellement là, ça va être la main droite. Donc, on va se positionner naturellement sur la corde de Do. Vous voyez ici. Voyez les doigts qui enfoncent les touches. Ok. Et maintenant, mon exercice va tout simplement nous amener à travailler en fait des croisés. En fait, on va croiser les doigts. C'est-à-dire que je vais commencer par plaquer les deux notes ici. Donc, ma note de Do, ma note de Mi. Ensuite, avec mes deux doigts qui sont en l'air, à plaquer la note de Ré et la note de Fa, que je vais relever ensuite pour plaquer la note de Mi et la note de Sol avec ma dernière paire de doigts. Ok ? On récapitule. Les deux premiers, deux autres paires, vous voyez les doigts qui enfoncent. Voilà.
Ça va faire mal, ça va être dur au début, parce que vous allez voir que vos doigts vont bouger tous les uns avec les autres en même temps. Ça va être un peu compliqué, difficile au début, mais justement, c'est avec ce type d'exercice-là que vous allez pouvoir, ce qu'on appelle, travailler la dextérité. Ok ? Donc, dans un premier sens, en montant. On reprend encore. Ok. Et on descend. Donc, montée et descente, ça fait. D'abord, on monte progressivement. On peut faire une descente. Encore une descente, on peut faire. Et donc maintenant, l'exercice va consister à commencer, tac, dans ce sens, pour revenir dans l'autre. Dans ce sens, pour revenir dans l'autre. Ok. N'hésitez pas vraiment à le faire jusqu'à temps que ça commence à travailler. Vous allez sentir votre poignet qui va commencer à chauffer. On va dire que c'est un bon signe dans ce sens-là. Quand ça commence à faire mal, c'est que ça commence à travailler. Lorsque, voilà, il faut se dire ça. Donc, ne pas hésiter à travailler, à le travailler, à le travailler pour que ça commence à, on va dire, à vraiment délier vos doigts. Ouais. Et au fur et à mesure, quand vous commencez à être de plus en plus à l'aise, vous pouvez en fait commencer à accélérer la cadence pour justement, on dirait, amener un peu plus de difficultés justement pour vous aider encore dans ce travail-là. Mais ne cherchez pas à aller trop vite dès le début. Mollo, tout doucement. Et au fur et à mesure, ça viendra. Ok. Vous pouvez le faire que dans la descente. Ou que dans la montée. Vous-même, vous pouvez créer justement la variante de l'exercice. Et une fois de chaque. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Et voilà, en soi, pour cet exercice. Et le petit dernier, qui est une variante de cet exercice, qui est toujours donc la même position des doigts. Mais cette fois-ci, on ne va pas les plaquer en même temps. Ça va être successivement qu'on va en fait faire un enchaînement de notes. Mais toujours avec les mêmes doigts. Allez, je commence par 1, 3. 2, 4, 3, 5. Compliqué. Ça fait hop, pop, pop, pop. Ok. 1, 3, 2, 4, 3, 5. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Ok. Donc, toujours comme l'exercice juste avant, on s'amuse d'abord dans une progression, donc en partant du plus grave vers le plus aigu, toujours plus grave vers le plus aigu, plus grave vers le plus aigu. Et quand on commence à être à l'aise, au fur et à mesure, on commence un petit peu à accélérer la cadence, mais également, on peut le faire dans l'autre sens, en partant du plus aigu, donc vers le plus grave.
Allez, je fais une combinaison différente. J'ai commencé par celui-là, le dernier. Donc 5, 3, 4, 2, 3, 1. Et voilà pour notre petit package d'exercices. Donc ça c'est encore c'est un jet d'exercice que je nous donne justement pour on va dire pour finaliser cette première partie. Encore une fois, c'est pas la dernière partie, c'est le dernier chapitre de cette saison. Donc dans lequel je viens de donner une liste d'exercices. Vraiment, n'hésitez pas à travailler ça. Je sais que plusieurs personnes peuvent vous demander combien de temps il faudrait pratiquer le piano. Même si vous avez un petit passé 40-45 minutes, une petite heure. Et encore une fois, je tenais à nous encourager dans ce sens-là. Dites-vous que lorsqu'on se met dans une atmosphère d'apprentissage, simplement d'apprentissage, c'est clair que ça peut être fatigant parce que ça peut être des exercices qui ne sont pas simples à faire ou ça peut être des notions qui ne sont pas simples à comprendre. Mais encore une fois, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que, comme la parole nous dit, tous ces dons, ces talents viennent d'en haut, de notre Père. Et c'est par lui, c'est lui qui nous donne la grâce, c'est lui qui nous donne le souffle, c'est lui qui nous donne l'intelligence, j'en suis sûr et je le crois. Notre Seigneur Yahushua, notre Seigneur Elohim, c'est lui qui nous donne cette intelligence-là. Et avec son intelligence, avec ses capacités, nous avons la possibilité d'apprendre plus facilement. Encore une fois, nous avons notre part des choses à faire dans notre apprentissage. C'est pas on se lève un matin et on se dit, ça y est, je vais savoir jouer au piano, je vais connaître toute la parole. C'est un travail également qui a à faire à notre niveau de pouvoir travailler, s'asseoir et prier le Seigneur qu'il nous aide tout simplement. Comme toute chose, prier le Seigneur qu'il nous aide, qu'il nous ouvre l'intelligence pour pouvoir travailler, pour pouvoir apprendre cet instrument, pour pouvoir l'adorer avec ça. Et voilà, de ne pas être vraiment dans cette attitude simplement d'écolier qui apprend des choses et la technique, les choses littérales et tout ça. Mais dites-vous que c'est vraiment quelque chose qui est une démarche qui est faite pour pouvoir honorer le Seigneur, pour pouvoir l'adorer, que ce soit à travers le piano, que ce soit à travers la guitare, peu importe les instruments dans lesquels vous êtes au niveau de l'apprentissage. Je tenais vraiment à vous encourager, à vous dire que voilà, toute chose vraiment concourt au bien de ceux qui aiment notre Seigneur. Hein, et il ne faut pas l'oublier. Vraiment, ayons foi en cette parole, ayons foi en notre Seigneur. Notre grand, notre Elohim, notre maître, notre grand frère. Vraiment, soyons encouragés. Et comme je le disais en début de la vidéo, nous allons nous retrouver donc d'ici vendredi. Donc, nous allons passer les informations au niveau des réseaux pour nous préciser l'heure. Donc, pour un live d'échange au niveau donc des premières leçons de piano pour pouvoir éclaircir des points, pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir donner des conseils pour l'apprentissage, pour grandir encore dans le jeu par la grâce du Seigneur. Hein, vraiment, donc je nous invite à envoyer toutes les questions qui peuvent venir à l'esprit. Donc sur le mail de Musique de Vie ou directement en fait en commentaire de la vidéo. Donc dans la barre de commentaires, n'hésitez pas en tout cas. Et donc nous allons nous retrouver donc d'ici vendredi pour pouvoir échanger autour encore de ces premières leçons de piano. Que le Seigneur nous garde. Je nous souhaite vraiment un bon apprentissage encore. Et je nous dis donc à vendredi. À bientôt.